Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo intrigue médicale, parce que ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait un Pokémon dans le mystère. Équipe de Secours Rouge qui est sortie en émulation sur Switch via l'émulateur GBA. Donc, autant vous dire que ça me fait bizarre de retourner sur un Pokémon dans le mystère, parce que je crois que c'était sur Game Boy, peut-être sur DS. J'en avais fait un vite fait. Et encore, je sais, c'est ça, j'en ai fait un. Bienvenue, c'est le portail qui mène au monde des Pokémon. Mais avant de vous laisser entrer, j'ai plusieurs questions à vous poser. Je veux que vous y répondiez avec sincérité. On peut commencer? D'accord. Commençons l'entretien. Un contrôle va avoir lieu bientôt. Comment le préparez-vous? Je m'amuse. Osez-vous entrer dans une maison hantée? Ouais, avec quelqu'un. Arrivez-vous souvent en retard? En cours ou en réunion? Oui. Il a un portefeuille sur le bord de la route. Que faites-vous? Oui, génial. Personne ne me regarde. C'est le week-end, mais personne ne veut jouer avec vous. Que faites-vous? Une excursion. Je traîne sans but. Je me recroqueville. Je suis en PLS. Ce sont les vacances d'été, auriez-vous aller à la plage, en Thalasso, qu'importe. Pouvez-vous parfois ne pas rester sans être dérangé? Oui, tout le temps. Une brute embête votre ami, que faites-vous? J'affronte la brute, je l'attaque pas derrière. Je le gronde de loin. Oh le mec, c'est de loin, il fait hey, « Eh, tu touches pas mon pote, c'est pas bien !» Bon, mais tant pis. Êtes-vous un garçon ou une fille? Alors, attends, je vérifie. Vous semblez être de type relax. Est-ce que vous planez parfois au point de rater le bus? Ou vous soupirez sans le vouloir? Est-ce que votre temps de réaction est un peu moins rapide que les autres? Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Vous pouvez faire les choses à votre rythme sans vous sentir sous pression. Vous pouvez vivre de façon décontractée et tranquille sans inquiétude. Je pense que c'est un style de vie serein que je vous envie même. Vous êtes aussi étonnant populaire. Populaire, cette matière que vous avez de regarder fixement dans le vide risque de faire chavirer bien des cœurs. Quelqu'un de relax comme vous doit être. Je me sens insulté d'un seul coup là. Aussi. Quel sera votre partenaire? Choisissez le Pokémon que vous voulez. Ou partenaire de liste. Sérieusement, si je suis. Non, mais. Non. Non. Non, me dis pas que je vais être. Quel sera votre. Non, me dis pas que je vais être psychocorrect. Bien, tout est prêt. Il est temps de vous envoyer dans le monde des Pokémon. En avant. Mais j'ai pas joué de psychocouac. Où suis-je? Est-ce que je rêve? Il y a une légère brise. C'est agréable. J'entends une voix. Qui est-ce? Hey oh! Bon, tu as assez dormi. Allez, réveille-toi. Oh, je suis tellement pas respecté, mec. Tu te réveilles enfin, génial. Où suis-je? Putain, je suis un psychocouac, quoi. Putain, je suis pas respecté. Tu étais à terre sans connaissance, je suis content que tu te réveilles. Je suis Pikachu, content de te rencontrer. Et tu es... C'est la première fois que je te vois. Quoi? Tu es un humain? Et tu ressembles à un psychocouac à tout point de vue. C'est vrai? Je suis un psychocouac. Mais pourquoi? Je me rappelle de rien. Ben Xbox, calme-toi, frère. Pourquoi t'as le mot qui s'enclenche? C'est un peu étrange. Bon, tu veux bien me dire ton nom? Mon nom est... Et PLS. Putain de merde, j'ai un psychocorique. Ah, je me sens tellement mal d'un seul coup. Non, vraiment. Là en l'occurrence... Je suis pas bien là. Je suis au fond. Le nom ira très bien. PLS, oui. Oh, PLS, et ton nom, PLS? Eh bien, c'est un nom marrant, connard. S'il vous plaît, à l'aide. Hein? J'ai entendu crier par là. Qu'y a-t-il?
C'est horrible, mon chenipan est tombé dans une grotte, mon pauvre bébé. Quoi? Une énorme fissure s'est ouverte dans le sol et mon chenipan est tombé dedans. Il est trop jeune pour en sortir tout seul. Et lorsque j'ai essayé de l'aider, des Pokémon m'ont attaqué. Hein? Vous avez été attaqué? Par d'autres Pokémon? Peut-être qu'ils sont en colère à cause de la fissure. En tout cas, ils sont tous furieux. Je ne suis pas assez fort pour affronter ces Pokémon sauvages. Que va-t-il advenir de mon bébé? Oh, que dois-je faire? Je ne sais plus où j'en suis. Je sais pas, une petite poudre dodo peut-être. Ça a l'air grave. Devant les aider. Je sais pas, t'es quand même une évolution. Je sais pas. Progresser vers. Progresser votre objectif. En attaquant les ennemis avec moi. Avec A, protéger aussi votre partenaire. Mais je vais crever. La monnaie de ce monde s'appelle les Poké de l'arbre. Ramassez-les. J'ai des potions, des trucs comme ça. J'ai rien, frère. Putain. Ah, mais oui, d'accord. Ça se recharge petit à petit, j'avais oublié. J'ai l'habitude de vouloir avoir des potions tout le temps. Par contre, le prince, ça prend grandement la map comme ça. C'est. Oh! Non, mais. Ouais, je monte au niveau 6. Ouais, mon niveau a augmenté. Oui, je monte de niveau. Trop bien. Je peux pas voir les capacités. Putain, genre quelque chose comme ça pue ça. Tout est bon pour farmer. Vos ennemis ne bougent pas tant que vous restez immobile. Vous devez bien réfléchir avant d'agir. Ok, ça c'est pour passer à l'étage. Ah, je me dis aussi. Ah, il faut mourir maintenant. Oh, mais je fais que rater. Mais quelles sont vos merdes. Putain, j'ai un moustique qui se met juste devant mon œil, quoi. Vas-y, frère, tranquille. Tout est bon pour avoir l'XP. Je veux de l'XP. Donnez-moi de l'XP. Ouais, bon, on peut aller ailleurs.
Récupérez les PV en vous déplaçant pour regagner les PV sans bouger. Maintenez A. Capteur d'écran. Alors c'est quoi Select? Le jeu c'est considéré comme quoi Select? Je crois que ça, c'est pour accélérer le régulateur. Maman, où es-tu? Nous sommes là pour te sauver. Hein? Ta maman t'attend, sortons d'ici. D'accord. Mon bébé est sain et sauf, je ne sais comment vous remercier. Je vous en prie, c'est devenu dangereux dernièrement avec toutes ces secousses et ces fissures. Ça me fait plaisir d'avoir pu rendre service. S'il vous plaît, dites-moi vos noms au moins. Mon nom est Pikachu. Et voici PLS. Cool! le psycho, le chenille pas en mode. Ouais, cool. Il me regarde avec adoration. Ses yeux brillants, c'est un peu gênant. Mais ce n'est pas mal non plus, j'ai l'impression d'avoir accompli un acte héroïque. Aider les Pokémon en difficulté est une expérience plutôt agréable. Merci Pikachu et PLS. Je ne sais pas grand chose, mais voici un gage de notre. Je n'ai pas grand chose. Non, je sais que ce n'est pas grand chose, mais j'y arrive. Mais voici un gage de notre gratitude. Acceptez-le, je vous en prie. Bah, je vais pas dire non quand même. Merci beaucoup, au revoir. Merci pour ton aide. Tu es balèze, c'est impressionnant. Alors, que vas-tu faire? Tu as des projets? Bah, d'ici, c'est déjà pas mal. Écoute, PLS, si tu n'as aucun endroit où vivre, tu devrais venir chez moi. Eh bien, on y est. Waouh! Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bien. Je suis un humain, mais j'aime cet endroit. Je m'y sens étrangement bien. Ça doit être quelque chose d'instinctif chez les Pokémon. Si je m'écoutais, je sauterais dans tous les sens. En tout cas, je me sens bien. Peut-être que je ressens ça parce que je suis psycho-quack. Alors, PLS, ça t'impressionne, pas vrai? Je savais que cet endroit te plairait bien, PLS. J'étais sûr que tu allais adorer. Ça, c'est la boîte aux lettres. C'est ta boîte aux lettres. C'est d'ici qu'est livré le courrier que les autres Pokémon t'envoient. Tu te souviens de la crevasse dans laquelle je n'ai pas acheté? Pour une raison connue, il y a de nombreuses catastrophes naturelles du même ordre récemment. À cause de ces catastrophes, beaucoup de Pokémon ont besoin d'aide. Je veux aider les Pokémon à surmonter ces difficultés. Je veux faire en sorte que tous les Pokémon vivent en paix. Alors, j'ai aimé ta façon de réagir pendant la sortie de Chenipan. Ouais, tu te joindras à moi pour former une équipe de secours. PLS, avec toi, on pourrait même devenir la meilleure équipe de secours au monde. Qu'en dis-tu? Fais voir si je me joue refuse. Hein? Oh mais, PLS, ensemble nous formons une équipe de secours du tonnerre. Allez, s'il te plaît, je vais créer une équipe de secours avec toi.
Ouais, après, on dit la même chose. Zut. Parfait, c'est décidé alors. Désormais, nous sommes partenaires PLS. Je souhaite la bienvenue à bord. Oh, il nous faut aussi un nom pour l'équipe. Là, PLS, tu as une idée? J'ai pas de nom là. Allez. Voilà. Parfait. Non, oups, correct, oui. L'équipe oups. J'aime bien, c'est un bon nom. Il est parfait pour nous. L'équipe oups. On commence dès demain, chouette. Plus jamais vous faites un truc comme ça, les gars. Et c'est ainsi que PLS et Pikachu commencent leur carrière de secouriste et créent ensemble leur équipe de secours. Le lendemain matin. Je n'ai pas changé, j'ai beau regarder, je suis toujours un psycho-quack. Pourquoi suis-je un Pokémon? Je n'y comprends rien. Je me sens pas très que j'ai sommeil. Je me sens mal, je dois dormir. Le cœur de la mer, j'en ai mélangé un peu. Je me sens mieux. J'ai toujours l'apparence d'un Pokémon, mais c'est vrai, ce Pokémon. Je crois que c'était Pikachu. On a décidé de former une équipe de secours ensemble. Je me demande ce que fait Pikachu. Je devrais sortir. Hein? Oh mince! Pardonne-moi, j'étais trop nerveux alors je me suis levé aux aurores pour venir t'attendre. J'ai dû piquer du nez. Enfin bref, aujourd'hui marque le début de notre équipe de secours, faisant de notre mieux. Mais rien ne presse, nous n'avons pas encore reçu de demande. Oh, attends, il y a peut-être quelque chose dans la boîte aux lettres. Toujours là. Putain, équipe de secours. Je savais qu'il serait là, mais c'est le kit de secours. On trouvera toujours un quand tu formes une équipe de secours. Contient le badge de secouriste. La boîte à outils. Contient le journal de Pokémon. Oui, c'est plein de choses utiles. Tout d'abord, le badge de secouriste. Il prouve que tu fais partie d'une équipe de secours. Ceci est une boîte à outils. Elle sert à transporter des objets que tu trouves dans les donjons. Mettons les objets que nous avons donnés à Papillusion. Les objets sont utiles, nous pourrons les utiliser lors de nos missions. Et le journal Pokémon, il y a plein de conseils utiles aux équipes de secours. J'en mets le journal dans la boîte aux lettres, tu devrais le lire à l'occasion. Rien d'autre. Pas de lettres. Je vais regarder. Pas une seule lettre. Normalement, on reçoit des demandes de sauvetage par courrier. Mais personne ne nous connaît parce qu'on vient de créer l'équipe, j'imagine. Bleu. Oh, qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est PLS. Peux-tu regarder la boîte aux lettres, s'il te plaît? S'il te plaît, regarde. Oui, mais c'est bon, je vais regarder. C'est peut-être une demande de sauvetage? Qu'est-ce que ça dit? Je n'ai pas, on va parler de vous. S'il vous plaît, aidez-nous. Magnété a des ennuis. Une étrange vague électromagnétique a jailli d'un donjon. Et colle ensemble Magnété et Magnété. Ce n'est pas ainsi qu'on forme de magnéton. Il n'est même pas fini tel qu'il est maintenant. On a besoin d'aide, amis de Magnété. Qu'en dis-tu? Allons-y. Ça, c'est une réponse de secouriste. Oh, vous êtes là! Mes amis sont dans cette grotte. Mes amis devraient être à l'étage 6, s'il vous plaît, aidez-les. Enfin, moins 6.
Battre un ennemi avec une capacité à remporter plus d'expérience appliquée à un raccourci. Avec choix. Ah! Yes! Eh ben on va s'arrêter là! Sur une défaite! Bonjour PLS, on a arrêté le sauvetage de l'humanité en beauté par oui. Et si on l'a réussi aujourd'hui. Ouais. Eh ben on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Pokémon Kanto Pikachu. Ça va aller. On va rentrer, tu vas être excité pour rien. Alors écoute, tu vas être excité. Bon. Bon, sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode de Pokémon. Sur cet épisode. Sur cette vidéo de Pokémon Donjon Mystère secouriste équipe rouge ou équipe rouge secouriste, enfin bref, moi y compris. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine, salut!